forza mia. Sarà Valentino. Soit en levant le poing, en levant le drapeau, en faisant voilà, un symbole de solidarité avec Geneviève. Ouais, ça va. Ouais, ouais, c'était mon secteur en plus. Cette partie-là. Attention, on va bientôt complexifier la scène. Parce qu'ici, tu as... On va vous demander, maintenant que vous allongez, ça va pas être possible. Si je m'allonge, je vais me mordre les bras. Vous avez sa vie sur votre corps. On va y apporter la grande photo de Geneviève. Donc ne bougeons pas. On va demander au grand rapport de la paix de se situer dans le monde. Faites le choix. Ou alors vous appelez des Benalla pour m'achever. Ah, c'est plus facile aujourd'hui d'appeler des Benalla avec les pompiers. Je pense qu'ils seront là plus vite. Pas que, mais pas tellement nombreux. Et mon cœur, je vais contrôler. Donc restez bien allongés de façon solennelle et symbolique pour marquer notre solidarité. Montrez vos drapeaux de la paix parce que c'est ce qu'elle avait Geneviève. Au moment où elle s'est fait charger de façon violente et gratuite par la police.
de façon complètement disproportionnée. Ce soir sur la place de la République, on défend, on est solidaire avec Geneviève Le Guay, mais on défend également le droit de manifester. On dénonce également toutes les violences policières. Et on veut symboliquement aujourd'hui dire qu'on fait front commun, ensemble. Donc on va dire pour Geneviève, solidarité. Pour Geneviève, solidarité. Pour Geneviève, solidarité. Et 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 contre Macron, on se doit sagesse. Face à un maximum de bruit, en solidarité à Geneviève Le Guay. Zineb Redouane, 80 ans, était bien chez elle au quatrième étage.
Et malgré ça, elle avait été atteinte par un tir lacrymogène qui lui a coûté la vie. Alors c'est pas une sagesse de rester chez soi pour préserver sa vie. La vraie sagesse, c'est d'interdire ces armes qui mettent la vie des autres en danger. La sagesse, c'est de garantir la sécurité des gens au moins chez eux. Bravo. Cadagne. Il y a une question qui me traverse l'esprit. Quelle est la sagesse de ma mère que ma mère devrait appliquer pour ne pas mettre sa vie en danger, plus que d'avoir annulé l'invitation à dîner par son ami ce soir-là et de rester chez elle. Et puisque, après chaque personne mutilée, il y a une morale d'après les responsables, alors j'aimerais savoir la leçon de morale que doit tirer l'histoire de ma mère Zineb Redouane. Enfin, une grande pensée à Geneviève Le Guay, et je lui dis que même si vous étiez resté chez vous, vous n'étiez pas à l'abri. Zineb Redouane en est une preuve. Vous avez tous mes respects et tout mon soutien. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Ça sera les derniers petits mots avant de laisser en soi la fanfare invisible qu'on n'a pas suffisamment remercié pour leur présence ce soir au pied levé. Grand merci à la fanfare invisible. Juste pour vous signaler qu'on a beaucoup de demandes de savoir comment marquer son soutien, comment faire en sorte d'appuyer, de soutenir Geneviève. Il y a des gens qui ont lancé des cartes postales, qui arrivent à l'hôpital, enfin, il y a plein d'initiatives spontanées. Nous, pour soutenir la famille, on va lancer une cagnotte pour couvrir l'intégralité des frais juridiques liés à son procès, à sa plainte. Il y a également d'autres cagnottes qui circulent déjà sur l'ICHI, donc libre à chacun de faire comme vous voulez. Mais du côté de l'attaque, on va être en lien avec la famille, on va lancer d'ici à demain cette cagnotte. Et on vous invite à envoyer le plus largement possible les messages de soutien. Sachez que même si nous, de notre côté de l'attaque, on ne répond pas à tous les messages, on les voit, on les transmet. On a un peu beaucoup de demandes ces derniers temps, mais croyez bien qu'on reste solidaire et que tout sera transmis à sa famille. Et que la solidarité avec Geneviève, on la manifeste tous les jours et qu'on va continuer à le faire. Merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre présence ce soir. On la Bravo chère. Oh la chambre, yeah! Goodbye! J'en ai un autre chez moi. Merci,
toutes ces églises, tu sais qui violent les enfants.